Ça va être à nous pour le match le plus important de l'équipe World of Warcraft depuis l'an dernier, tout simplement, hein, depuis plusieurs mois. Donc, bien joué. On n'oublie vraiment pas Dao qui a pronostiqué Sloth deuxième. Ouais, vraiment, lui, hein, le caster, vraiment. C'est le Ita de World of Warcraft. Oh non, le patron. Oh, le Ita de World of Warcraft. Oh, le chien. C'est peut-être même Ita. C'est peut-être Ita déguisé. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai rien dit. I didn't say anything. Sorry, Ita, of course. Non, c'était dur. Ah oui, j'avoue, elle était hein. C'est très dur. Elle est partie de l'eau. Parce que là, t'as vraiment dit, Ita, il comprend rien. Vraiment, non, t'as. Je rigole, Ita. T'as abusé. Masterclass de cul. Non, t'as abusé de fou. Bien sûr, Ita le goat, hein, Ita le sang, bien sûr. Mais juste Ita, si on pouvait avoir le son en VRL, ça serait super. Voilà. Si tu veux, un petit message, un petit mot, si on pouvait avoir l'image aussi de temps en temps. Bon, écoutez, c'est fini pour leur match à eux, ça va être à nous. Bon, je pense après on se dit ciao. Hein. Ouais. Ah oui. Vous voulez voir le dernier match? Non. Moi, je m'en fous un peu. On le verra demain. On verra demain. Puis demain, en plus, on a une grosse journée de cast en vrai. Ouais. Donc je pense que c'est bien de se dire, on se fait ce dernier match et puis après ciao. Non, puis en vrai, voilà, c'est, on le sait. On sait ce qui va se passer. On a vu les maps, on a vu les clips jouer. Ouais. Franchement. Et on sait ce qui va se passer. Ça va être 2-0. Ouais. Ça va être deux fois Nexus en 15 minutes. Comme nous, normalement. Non, mais oui. Comme nous, normalement. Pas vrai, la fille? Oui. Non, mais moi, j'ai pas peur de le dire. C'est bien. Moi, vous savez que. Ouais, parce que t'avais le BPM un peu élevé tout à l'heure. Non, mais en fait, j'ai le BPM quand je sais que. Quand c'est perdable. Tu vois. Mais le truc, c'est que, bon, voilà, je pourrais en faire des tonnes. Allez! Je pourrais dire que ce BO va être serré et tout. Non, ça va être un massacre. Non. On va devoir les ramasser à la petite cuillère. C'est ça le truc, quoi. Demain, c'est 19h, pour ceux qui se demandent. Ouais. Et là, ça va être mandatory tout de suite. Que des bangers demain. Que des bangers. Ah, par contre, c'est vrai. Et là, pour le coup, mandatory ou pas, ce sera que des bangers demain. C'est ça. Et c'est vraiment cool. C'était normalement pas perdable tout à l'heure. C'était totalement là, pas là, perdable. Là, on a jamais dit ça. On a jamais dit que c'était pas perdable. Et moi, je suis le premier à le dire. Que c'est possible. Là. Mandatory. Là. Mandatory. Alors, allez, ça va jouer. Let's go. Ça va jouer tout de suite et merci, hein, merci à ceux qui ont fait le logo de JDG, enfin la chemise de JDG, avec Common Now. Non, ils ont changé. Oui, mais tu sais qu'ils ont juste changé. Ils ont juste changé les cheveux et la chemise. Ouais. Oui, non, la couleur de la chemise. La couleur. Parce qu'en vrai, il y avait. Non, il n'y avait pas les traces. Si, non, il n'y avait pas les petites traces. Il n'y avait pas les traces, c'était jaune full. C'est vrai qu'on voit du orange et tout, je crois que ça a été déjà. Il y a les traces. C'est pour ça que je te disais. Non, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, y a un petit truc quand même. Hein. Il se passe quelque chose. Il se passe peut-être quelque chose. C'est mon rêve que. Mettre ça sur Discord, là. Je crois pas. Hein. je crois pas qu'il va le mettre. Ouais, putain, il est vraiment pas drôle. Hein. Bon, parfait, mesdames et messieurs, Mandatory joue bientôt. J'ai effectivement refait un petit tweet pour dire que. Ah, l'équipe allait. Ah, l'équipe arrive. Il revient. Tu sais que la dernière fois que t'es venu, ça s'est mal passé. Hein. Ouais, tu sais que j'ai pas osé le dire. Ah ouais, c'est en mode, Non mais là, tu peux. Ça va, c'est imperdable. Non mais là, c'est gagné. On va demain, s'il te plaît. Non, si ouais. Si tu peux quitter Montpellier. Mais hier, on a gagné, tranquillou. C'est vrai qu'hier, on a gagné easy. Hein. C'est vrai qu'on a gagné donc easy. Donc si tu peux... Mesdames et messieurs, voici la gueule du bracket actuel. Donc nous avons perdu ici contre Bald Bandits. Et nous sommes partis en loser bracket. Et nous allons retrouver Bone Buds Resurrecting, donc BBR, pour... Aller se qualifier. Alors, il faut savoir que c'est un match très important. Pourquoi ? Parce que si on perd, on est éliminé. Enfin, l'équipe qui perd à partir de là est éliminée. Et l'équipe qui passe sera qualifiée en play-off. Ça, c'est les pronostics des casters officiels de la compétition. On a été pronostiqués premier par beaucoup de gens, sauf Dratnos et Doha. Bon, Doha qui avait mis Slot en deuxième. Ils sont éliminés, ils sont même pas en play-off. Ouais. Donc, premier, ça va être chaud pour eux. Et à noter qu'on a été pronostiqués premier. Alors qu'on est derrière Perplex sur les Trials. Tout à fait. Et ouais, ça, c'est étrange. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, on est seed 3, Perplex est seed 2, et malgré tout, beaucoup de gens nous ont mis premier. Et en fait, non, c'est pas étrange parce que ça arrive d'être troisième au Trials, c'est pas un problème. Bien genre, sûr. La question, c'est comment t'es dans le match, et c'est vrai, il est vrai que ces dernières années, notamment au MDI, on a plus prouvé que Perplex. C'est la réalité, ça, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai pas peur de dire ça. Et puis, on est semi-finaliste. Ouais, enfin, on est vice-champion. Ouais. On est vice-champion en titre, quoi. Non, vraiment, c'est étrange, habituellement, les pronostics, ils pronostiquent par rapport au Time Trial, tu vois. Ouais, après, là, c'est à une place près.
C'est à une place près, c'est à une place près. C'est bon, c'est bon. Et donc, ouais, en demi, ça pourrait être une revanche contre Bold Bandit, puisqu'effectivement, même si là, on gagne, on arrive ici contre le Eclipse. Perdant de ce match. Contre le gagnant de ce match, pardon. Donc Eclipse 3. Et donc, sûrement Eclipse. Oh non, pas les mouvements de map, on en a rien à foutre. Les mouvements de map. C'est marrant, quand même. Vas-y. Bon, ouais. Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Sur le cast officiel, que qu'est-ce qu'ils font? Tu l'as jamais montré. Ouais, mais t'es trop en plus, j'avais deviné Rezan au try d'avant et je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. J'ai vu sur mode. Je crois que c'est Rezan. En gros, ils vous montrent des petites boules comme ça de joueurs qui se déplacent et on doit deviner quel boss c'est parmi ces quatre boss. Alors là, qu'est-ce que tu colles là? En fait, là, le problème, c'est que les noms là, ça me dépasse, tu vois. Ah ouais. Mais c'est Rezan. Non, il y a déjà eu Rezan, c'est pas Rezan. En fait, là, c'est Gorakhtul, c'est le dernier boss de celui qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas Gorakhtul. Ancien protecteur, c'est quoi? Ça paraît être Rezan avec la poursuite quand même et tout. Non, ils sont trop collés. Ancien protecteur. Non, puis ils sont tous barrés à gauche, c'est pas Rezan. Non, il y a le nous, on les verrait beaucoup plus bouger pour écraser les plantes. De quoi? C'est pas DHT. Les gens disent Yalnu, hein. Beaucoup disent Yalnu, hein. Mais Yalnu, c'est pas le dernier boss de. Yalnu, c'est Everbloom, non? Ouais. Mais là, je trouve, il se spread pas assez pour écraser les plantes. Fais un call vite. Gorakhtul, je pense. Allez, Gorakhtul, call par l'API. On va voir quelle est la réponse. Par contre, c'est fini, il faut donner la réponse. Blizzard. En tout cas, je pense pas que ça puisse être Yalnu. Et Ancien Protector, c'est quoi comme boss? Je sais plus ce que c'est, Ancien Protector. J'en ai aucune idée. C'est l'âge qui me semble, Protector. C'est Lilith. Ah, c'est le Big. Ah, mais c'est peut-être. C'est probablement Protector. C'est le Triant. Bah, je sais pas, je pense. C'est peut-être Protector. Eh bien, on n'aura pas la réponse, voilà. C'est la Moi, fin. Moi, je dis Gorakhtul, mais c'est possiblement Protector. C'est la fin du stream officiel. Bravo à tous. C'est lui. Et. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est l'arbre de Everbloom. Tout va bien. Ah, ça redémarre. Et eh bien, c'est reparti. Redémarre. C'est encore Rezan. C'est encore Rezan. C'était Rezan. C'était Rezan. Pourtant, il y a eu un moment où ils sont passés à 3. Ah, tu vois, là, qu'est-ce qu'ils font là en faisant droite gauche là? Je sais pas. Bon, là, il y a eu un petit fixate là. Non, il est arrivé après, c'est tout. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de fixate, du coup, on le voit pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était encore Rezan qui se régale. Bien joué. C'est ça à chaque fois, en fait. C'est Rezan à chaque fois. Il y a eu Rezan déjà avant. Ouais, non, mais le premier, c'était pas Rezan, c'était un autre. Bon, c'est de nous là. Mais ouais, dommage. Dommage. Mais la régie se régale en tout cas avec ce. C'est clair. Avec ce petit Rezan PNG là. On se régale à fond. Eh bien, écoutez, on va jouer dans très peu de temps. On rappelle, enjeu du match colossal, si on perd, on est éliminé, si on gagne, on est en play-off. Les play-offs, ça se jouera en mars, 8, 9, 10 mars, pour 200 000 $ de cash prize. Là, on joue pour 30 000 $ de cash prize, mais c'est les premières phases, c'est-à-dire que toute la finale se joue demain pour savoir notre seeding et le cash prize. Mais là, ce match-là, ce BO3, c'est le plus important pour toute l'équipe. Et ce serait une contre-perf de ne pas le gagner. Voilà, il faut être honnête, hein. On est seed 3, l'équipe en face de nous est seed 12, 10. 13, t'as dit un truc Attends. Comme ça. C'est Bone Buds là. Bone Buds, ouais. 15. T'avais dit 15? Ouais, non, pas 15, crois. Je crois. Skeleton? Bon, enfin bref, en tout cas. C'est pas 15. Ouais, seed 15. Donc, ton... Avant-dernier. Donc ils sont seed 15 sur 16. Oh, la musique, c'est bon. Ah non, mais vraiment. Non, mais disons les termes. Moi, je viens pas demain, hein. On perd. Bon, de toute façon, personne vient si on perd. Ah mais ouais, je pense. Mais je viens pas quand même. Je rentre à Chartres. Ouais, ah ouais, tu rentres. Ouais, je pense que je rentre. Tu pars là, il part après. Là. Il part après le match là. Direct. Non, mais disons les termes. Tu dors à Clermont, c'est à mi-chemin. 3:37, et eh ben ça prend du temps. On se sera donc à 23h30, hein, j'aurais pu l'écrire, mais bon, c'est pas grave. Ça commence dans 3 minutes 30, alors qu'on voit actuellement des replays de cette Atal d'Azard dégueulasse qui a été jouée. Désastreuse, vraiment. Hein, une disaster class qu'on a vue. Hein, vraiment, c'était une catastrophe de la part des deux équipes. Ouais. Mais, vu la Atal d'Azard qu'on a sortie en début de soirée, franchement. Dois-je vraiment ouvrir ma grosse gueule? Puis-je lancer la première pierre? Car nous avons été horribles, voilà. Nous avons été à chier. On s'est vraiment chié dans le cul, nous aussi, sur cette Atal d'Azard en début de soirée. Donc, c'est ça. Voilà. Pour les maps, je crois qu'on les avait déjà, mais je sais plus ce que c'est. Donc dommage, on va les voir, on va les découvrir ensemble. Et là, je crois que ça change. C'est possible que ça change. Et on commence dans 3 minutes. DHT la première? Ok. Ok, encore DHT, okay. J'ai rien dit. Sorry guys. Non, c'est pas grave, hein, on aura dans le cul, bien sûr. Ça fait trop chier dans le cul. DHT, Throne, Everbloom, Dotyrise, Atal. Throne va être ban. Il faut voir ce qui est banni. Throne. Ouais, Throne est banni. Donc ce serait DHT, Everbloom, Dotyrise. Non, mais en fait, on s'en fout, on gagne. Donc en vrai. non, mais écoutez ce que je vais dire. Parce qu'en fait, j'étais en mode, vas-y, DHT, c'est chiant. Moi, elle m'énerve, elle m'angoisse cette DHT. Parce que comme on a un passif. Qui en plus n'est
pas vraiment de notre faute. Enfin, il y a le mental. Vas-y, on a vu tout le monde. Ouais. En fait, c'est ça. On a vu tout le monde de la poule, cette putain de dryade là. Non, mais vas-y, c'est bon, je peux dire les gars ou pas ? Genre, Bonsbud, on en peut plus ! Bonsbud, ils l'ont poule là, juste la run d'avant. Enfin, il y a un moment, c'est bon ! Rendez la dryade ! La dryade, juste, elle a pris un train TGV, elle était en retard ! Hashtag rendez la dryade ! On nous l'a. Non, mais c'est vrai, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Tout le monde le fait. C'est parce que nous, on la poule sans faire le tour. Je crois que c'est ça l'histoire. Non, c'est juste que on la poule un peu trop tard. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. On la poule un peu trop tard. Et en fait, c'est naze. Hashtag rendez la dryade. C'est genre, putain de dryade là, elle a mis juste 20 piges à arriver. Il y a le mec qui l'a dit non. Cela dit, c'est pas le BO qu'on a perdu là. Non, mais en fait, oui, mais t'es en mode, la DHT est un problème maintenant. Tu vois, et je te le dis, c'est véridique. Moi j'ai été, alors pas à leur place, mais j'ai été dans ce truc où tu fais une erreur. Et en fait, après, même si tu sais que c'est pas toi, même si tu sais que c'est normal, t'as toujours le doute, tu vois, genre quand tu rentres dans cette run, t'es en mode, ah oui, putain, il s'est passé ça. Ah oui, la putain de dryade. Voilà. Et tu la vois là, tu la vois arriver, tu mets ce qu'elle mérite, alors qu'en fait, regardez, attention, masterclass qui approche. Voilà, masterclass. Bon, voilà, bref. C'est pour ça que j'aime pas trop DHT, là, en tout cas pour cette semaine. DHT. Mais c'est bien, en vrai, qu'elle tombe face à un free BO, parce que justement, on la rejoue. Et vas-y. On se remet dedans. Ouais, on se donne un peu. Allez, 50 secondes. Je rappelle donc, c'est en BO3. Le premier qui met deux maps, il gagne. Et donc, ça peut être 2-0 ou 2-1 en termes de scoring. Sachant que. Ça peut être 3-0 aussi. Hein. Ça peut être 3-0 comme hier, parce qu'on a gagné un BO3 3-0. C'est jamais arrivé. Du jamais vu. C'est la première fois dans l'e-sport. Mandatory sur tous les records. Tous les records pour Mandatory WoW, effectivement. Mais en tout cas, bienvenue à vous et merci d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de 13 000 à regarder les qualifications WoW. Je rappelle que c'est même pas le main event. L'an dernier, vous aviez été plus de 30 000, je crois, à regarder les phases finales, hein, avec les 200 000 $ de cash prize. Et ça, ce sera le 8, 9 et 10 mars. On vous retiendra au courant, évidemment. Donc ça, on vous l'avait même pas streamé l'an dernier, parce qu'on savait même pas si l'équipe était qualifiée encore. Et voilà, donc petit apéritif pour vous. Et vous pourrez, évidemment, re-suivre tout ça dans deux petites semaines. Voilà, formidable. Exactement. Ça suffit, les doigts. Pardon, c'est vrai. Ça suffit. Et là, ça va commencer, voilà. On a la petite cinématique des... De cette instance qui va bientôt commencer, même si on va pas du tout jouer dans celle-là, mais... Mais c'est la petite cinématique avant les BO. Magnifique cinématique. On en a une, hein. Ouais, elles sont cool, ces cinématiques. Ouais, qui a été faite, enfin, qui sont faites par quelqu'un. Oh, toujours pareil, hein. Ouais, toujours le même, hein. Ikedit, ouais. Ah, c'est Ikedit, ouais. Ah, je croyais que c'était. C'est pas le même, ouais. Celui qui a fait celle de Kata Classic, là, qui les fait toutes maintenant. Non, c'est pas lui. Comment il s'appelle déjà? C'est l'autre. Ouais, c'est l'autre, ouais. Il y en a deux. Ils sont deux à faire des trucs de fou. Hurricane, ouais, lui c'est le GOAT. Enfin, bah voilà, les deux. Hein. Throne of Tide, banni. Hein. Mais non, DHT, Everbloom, Murozon Rise. Ouais. Oh, c'est 2-0. Hein. C'est 2-0. C'est 2-0. Oh, c'est un gros 2-0. Ouais. Qu'est-ce que t'as, toi? Vous me faites trop rire. C'est ce que je dis à chaque match Valorant, c'est 2-0. Hein. Ouais, sauf que c'est pas toujours 2-0. Non, je dis jamais ça. Ouais, voilà. Mais je dis pas que c'est perdu non plus. Oui, non, mais d'accord, mais justement, sur Valorant. Mais juste, c'est plus stack. Justement, ça n'arrive jamais que sur Valorant, t'arrives et tu te dis, ouais, c'est 2-0. Oui, et en vrai, aucune équipe. Ouais, dans la ligue, surtout dans notre ligue, aucune équipe peut dire, ah, c'est 2-0. Je suis archi confiant et tout. Mais tu sais que là, je joue à la place d'un joueur mandatory, c'est 2-0 aussi. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Sinon, mais je ça veut pas saute dire par la fenêtre. Ça commence. Ça veut pas dire que je suis bon. Let's go. Allez, et là, paf, les 5 qui meurent. Premier pool, instant. Alors que si j'avais été dans l'équipe. Bref. La grosse clim. Non, pitié. No climatization. No air conditioning, please. En tout cas, on fait la même chose qu'on a fait hier. Oui. C'est-à-dire qu'on est un sous-invise et on court sur le premier. Sous potion, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a eu ce petit setup là où en gros, on n'a pas vu, mais Sky, il a mis un petit sigil de fire. Il a mis un CC à droite, à gauche. Il a utilisé son racial à feu de la nuit. Tout le monde a pu passer, ce qui évite justement d'avoir besoin du voleur. On devait jouer à 22h, il est 23h30. Voilà. Ça fait plaisir. On est là. Non, j'avais dit 22h, j'avais c'est estimé. C'est un petit peu comme sur Valorant. En vrai, on savait pas. Ouais, c'est vrai que Valo, des fois, elle est BO. Après, allez, après non, je le dis. Va. Petite dryade peut-être. Non, je crois pas. Il n'y a pas eu de dryade. Pas eu de. Si, mais je pense que ça doit arriver. Non, elle arrive pas. Si, elle va arriver, mais avant. Ils se sont arrêtés avant. Bah, allez, on envoie, les gars. Pas l'air d'arriver, mais... BL Pot All CD. Pas d'infusion de puissance, cela dit, mais on envoie. Courage Stove. Il fait peur, mais ça va, c'est bon. Non, mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est que souvent les joueurs, ils veulent tanker ça, là. Et c'est ça qui a tué mes Au moment du leap, ouais. Il y a leap plus ça, et c'est la sauce, quoi. Exactement.
C'est bon, ça joue. On n'oublie pas le sanguin. Il se fait détruire. Le sanguin, ouais, qui pour l'instant n'a rien fait. Ouais, très bien, Kite, là, de la part de Sky. Il y a eu zéro du sanguin. Ça joue très bien côté Mandatory. Et qu'est-ce qu'ils foutent, les autres, là? Ils s'amusent. Non, mais ils poulent l'Adrien. Ouais, ok. Il fait son petit droit de gauche. Emo qui est mort, hein, qui a pas réussi à faire le skip. Ouais, Emo qui est totalement dead. On va devoir le reste, sauf que Chazzy, il est à l'autre bout. Je suis dégoûté pour lui, personnellement, qu'il soit mort. Franchement, il doit être dégoûté, quoi. Alexa, lance la kiffance. Mesdames et messieurs, ça se passe très bien pour nous. On a démarré le boss et nous sommes à 40%. Pour l'instant, ça déroule, aucun mort. Je tiens à noter quand même que, en vérité, ce BO, on n'est pas vraiment face à Bonesbug, on est plutôt face à nous-mêmes. À nos erreurs, bien sûr. Exactement. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et il faut noter qu'on a fait deux erreurs sur notre dernière DHT. Oui. C'était ce boss-là, et là ça va, oui. Et le dernier. Donc c'est sur ça qu'on en va... En vrai, l'arbre avait pris un peu de sanguin. Ah ouais ? Il avait pris 10%. Ah oui, exactement. C'est ce qu'il disait. Donc, doucement quand même. Messine était mort aussi, non ? Messine était mort au premier boss. Premier boss, ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut être attentif. Et encore une fois, là, on ne va pas forcément s'attarder sur la dualité des deux équipes, mais en fait sur notre propre dualité. Et c'est vraiment important. Je n'ai pas trop envie d'en faire, mais c'est hyper important. Ouais, belle façon de dire que les autres ne sont pas au niveau. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au niveau, c'est qu'ils ne sont pas à notre niveau. Et ça, c'est une vérité de le dire. Mais aussi ça, que c'est nous, factuel, les gars, le seeding. Mais aussi qu'on a quand même des choses. Là, ce n'est pas simplement on déroule. Là. Ouais. Il faut bien dérouler. Ouais. Il faut faire peur, en fait. C'est aussi ça. Tu vois, il y a un moment, il faut montrer qu'on n'est pas là pour rien. Il faut qu'à un moment, Eclipse, ils se disent, ah ouais, ils ont fait ce timer, mais en fait, du coup, si ça se passe bien, on est dans la merde, tu vois. Exactement. Il faut qu'Eclipse, ils se disent, sur notre meilleur run, on perd. C'est ça. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Donc, c'est vraiment dommage. Même ceux qui sont winners, faut que là, sur ce BO, on montre à tout le monde. Ouais. Demain, on leur casse. Et surtout qu'après avoir vu les BO de Perplex et tout, on a vraiment. Enfin, ça va, tu vois. Il n'y a pas de. Waouh, Perplex, ils sont dans un état de forme incroyable et tout. Non, là, on est très très bien parti. Mais à la fois, c'est dur de jouer contre une équipe qui est vice-championne du monde parce que tu dois tout faire pour te dépasser au maximum. Et du coup, tu dois aller chercher tes propres limites. Et en allant chercher tes propres limites dans WoW, tout peut exploser. Exactement. Et voilà, on rate un petit skip qui ne devrait pas être raté. Ce genre de trucs totalement banals qui sont totalement fail. Donc, on fait peur. On fait déjà peur en vrai et c'est normal. Voilà. Gestion du sanguin. Il faut faire attention. Ouais, on utilise les sigils de silence. De Sky et on court. Malheureusement l'incantation, le sigil qui a été qui a fait au dernier moment, ça a mis un peu dans la sauce, mais ça va. 6 millions malheureusement, ça délaie un peu la sortie du boss, mais c'est pas grave. Allez. Et donc on fait notre fameux pool. Voilà. C'est le même, faut juste éviter qu'il run 10%. C'est ça. Mais en vrai, même si c'est le cas, là on peut se le permettre. Mais c'est pas grave, on veut pas. C'est ça. On veut réussir et pour se dire c'est bon, ce pool on le maîtrise, y a pas de problème. Exactement. Donc on y va les gars. Donc là, on le répète, l'avantage de ce pool c'est quoi? Mestin il a ressources infinies. Ouais. Donc en fait il envoie de la Chaos Bolt, il détruit un max. Il détruit. Et ça permet de gagner un petit peu sur le boss. Il est en train d'hurler je tue. Là regardez je tue, je fais tous les dégâts. Debout sur le clavier. Il est en train de dire je fais tous les dégâts les gars. Sur un bouton, debout. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas si c'est le boss qui a repris là les 8 millions. Il était plus bas non? Je sais pas. J'ai pas vu. Le chat nous dira. De toute façon, on a le temps. Non, apparemment, mais le boss n'a pas lui. Pris. Okay, ah, là, il a pris 5. Il vient de prendre 5 à l'instant. Ouais. Il est passé de 55 à 60. À l'instant même. C'est énervant. Hein. Ouais, 5% d'un boss en tyrannie. C'est un peu chiant. Parce qu'en plus, c'est pas worse du coup. En fait, c'est bien beau d'avoir des ads et de faire gagner 2 DPS à quelqu'un. C'est vrai qu'en tyrannique, ça l'est pas. En tyrannique, ça l'est pas. Mais ça le serait même s'il n'était pas en tyrannique en vrai. Mais bon. C'est délicat quand même. Hein. Mais là, bon, il n'y a plus de flac, il n'y a plus de sanguin. Et c'est trop dur. En plus, je sais même pas en mode je les blame, tu vois. Il est dur. Hein. Ouais, mais la vérité, c'est qu'il faut qu'ils y arrivent pour demain. Donc en fait, ils sont obligés de le faire. Tu peux faire ça, tu vois. Tu peux faire différent. Après, tu es obligé de min-max si tu veux aller battre les meilleurs, tu vois. Tu peux min-max, mais c'est bien aussi, tu vois. Double CC des scénarios, ouais, machin ouais, et tout, ça marche aussi, tu vois. Mais bon. Tranquille, full trust, full confiance. Il y a zéro mort, problème. Le boss est mort. Oui. En fait, le problème de ce boss, c'est que ça fait partie de ces boss qui, à un moment, s'arrêtent, tu vois, et bougent très lentement. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce truc où, tu vas sur un malentendu, t'as une petite flaque qui passe, c'est chiant, quoi.
Allez, fin du premier boss, de deuxième boss, pardon. On est en tyrannical, donc les boss, c'est vraiment des gros gaps. Dans l'instance, vous voyez que les fights, c'est vraiment 2 minutes, même parfois plus. Donc c'est vraiment un gros point de checkpoint passé. On l'a passé à 3:38. Là, l'autre groupe, Bone Buds Resurrected, viennent d'arriver. Ils ont un mort. Donc un mort, ça veut dire 5 secondes de pénalité. Vous avez le timer ici en haut qui est actualisé en conséquence avec les 5 secondes de plus. C'est-à-dire que même si on finit l'instance exactement en même temps, eh ben, en fait, on est devant. C'est ça. Et donc on va faire un pool assez colossal, hein, ouais. Beaucoup de barres de vie, ces élèves qui chargent et qui one-shot, hein, si quelqu'un ouais, est ouais, devant. Qui one-shot, ouais. On a Crims qui est passé de l'autre côté, qui est en train de tous les battre, Mestine qui va instant gate, bam, c'est posé, Crims direct qui la prend, c'est parti, on prend le boss. Allez, c'est bien fait. Et let's go, à noter que les charges, c'est sur les tanks. Faut pas mourir, on est au tout début du boss. C'est ça. Tout à l'heure, c'est le début qui est compliqué, hein, en réalité. Exactement. Donc les charges qui sont sur Sky. Donc en vérité, si une charge part sur le raid, c'est un petit peu la faute de Sky. Donc faut quand même faire attention. Et si ça arrive, il faut qu'il soit capable de le dire et que les joueurs soient capables de faire attention. À noter aussi que ce boss, il est très statique, donc ouais. Les sanguins sont un problème. C'est en train d'arriver là d'ailleurs. Et il faut faire gaffe. Donc là, on est attentif à la barre de vie du boss. Faut pas qu'elle remonte, d'accord? Ouais, tout à fait. Ça va arriver là d'ailleurs bientôt. Ouais. Ah mais non, c'est bon, c'est fini. Géré. C'est fini, ouais. Ouais. C'est fini, il y aura. Je pense pas que eux posent des sanguins. Les respawn. Ça a pas l'air, hein. on les a même pas vus. Pas donc il y aura pas de sanguins. Donc effectivement, là, le plus dur est passé pour le boss. C'est maintenant, ça. Faut finir tranquillement. Ils vont faire exactement la même chose à droite de votre écran. Donc on va voir si Bone Buds Resurrected réussit. Mais en tout cas, ça a l'air de très bien se passer pour Mandatory. Pour l'instant, ça déroule. Ouais, je pense qu'on fou. Est d'accord. Ah oui. À part ce petit sanguin sur l'avant-dernier boss. Franchement, c'est pixel pour moi. Exactement, sur l'arbre, ouais. Y a eu ça. Ok, donc là, on fait pop, c'est toujours le même principe. Full screen SVP. je comprends ce que vous dites, mais on n'est pas là, pas encore. Et là, encore. Ce qui est assez rigolo à montrer, parce que bon, on l'a vu un peu au moment de Slot, mais Slot faisait des erreurs, c'est que là, Bones Bud, comme d'hab, très régu, mais là, voilà, là, on voit juste le gap entre ouais. une équipe tier 1 et ouais. Une équipe. À un autre tiers, quoi, tiers 2. En fait, c'est rigolo. Bones Bud, tu fais pas d'erreur. Tu vois, et leur passing, il est correct. Mais bon, là, on. Non, mais c'est une excellente run. Un boss de retard. C'est une excellente run. C'est tyrannique. C'est pas suffisant. C'est un boss de retard, blanks, banal. Pas d'erreur, rien. Tu prends un boss de retard. Enfin, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et ça, c'est juste le niveau individuel. Ouais. Et en plus, en compo miroir. C'est-à-dire que, tu sais, les gens pourraient se dire, ah ouais, mais peut-être, il y a un truc. Compo miroir, t'as pris un boss de retard, t'es mort qu'une fois. Bon, voilà, super. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent jusqu'au bout. Et qu'ils oh là prennent là. Le boss, et en fait ils vont pas le faire. Et ça, ouais. Moi je suis pas fan. Ouais, parce qu'il faudrait s'entraîner à le faire, ouais. Tu veux dire. Après ils s'entraîneront en dehors, ils veulent assurer, ouais, ils ont ouais, raison, tu vois. Mais j'avoue que j'aurais bien été sur le boss, surtout qu'en vrai, même si ça prenait le boss, le dernier boss, c'est pas grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu veux juste montrer et mettre la pression. Ouais. Et puis dire, c'est même bon, on n'a pas peur, on y va. Ouais. Pour te dire, c'est bon, j'y vais. C'est ça ma strat, je dois la faire. Pour eux-mêmes, ce que je me dis, c'est qu'ils peuvent quand même s'entraîner en off, tu vois. Évidemment. Évidemment. Le plus important, c'est de montrer aux autres. C'est que là, tu joues ta sortie de tournoi. Oui, mais. C'est quand même chiant. C'est quand même chiant, ça compte, tu vois. Ouais. Moi, je comprends. Je comprends aussi. Je suis pas en mode, ouah, ils ont pas fait ça. Tu vois, non. Mais ils auraient pu, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils en sont capables, tu vois ce que je veux dire. Ils en sont capables. Ah bah tout à l'heure, ça s'est très mal passé. Ouais. Bah après, ça s'est mal passé ça sur pas le sanguin. En passé. Vrai, c'était oui, le sanguin. C'est le sanguin, c'est le sanguin le problème. Mais le pool était réussi, tu vois. Le pool était réussi, c'est le déplacement. C'est juste la gestion d'une seconde dans le pool qui est mal faite. Et d'ailleurs, donc tout. Là, très important, l'idée, en gros, c'est. D'ailleurs, là, je sais même pas si on n'a pas un peu commencé à DPS un peu trop vite, parce que là, les premières zones de sanguin doivent commencer à arriver. Donc là, l'idée, ça va être que Skyheart, il va poser. Ouais, c'est ça, il va poser son sigil et il va courir. Ouais, mais tu vois, je pense que ça a été DPS un peu trop tôt et que c'est pas normal. Parce que ça devrait mourir, tout devrait tu veux dire. En même temps. Ouais. Et là, on n'a plus de sigil, on a des mobs qui se baladent. Voilà. Après, là, est-ce qu'on les garde pas pour les ressources? Non, 3 mobs, ça suffit pas. Parce que les autres gardaient un peu, hein. Les ouais, autres gardaient aussi. Pense, hein. Pour les mêmes raisons, je pense que c'est un sanguin qui. Ok. Qui non, peut c'est Skylark, les amis. Skylark, c'est pas Skyheart. Oui. Skyheart le GOAT, bien sûr, hein, au jeu vidéo. Mais il s'agit de Skylark. C'est peut-être lui, tu sais pas. C'est peut-être Skyheart. En vrai, j'en sais rien, les gars. Je l'ai jamais vu, Irène. J'ai jamais vu les deux dans la même et pièce. Et t'as dit non en plus. J'ai jamais vu les deux dans la même pièce. Tu as dit, tu veux venir être logé, nourri, gorgé, jouer au jeu vidéo. Il t'a dit non, donc on sait pas. En vrai, je sais pas. La seule fois où j'ai voulu le rencontrer IRL, il a dit pas dispo. donc je sais pas, les gars. En vrai, c'est peut-être lui, Sky, vraiment. T'es une légende si tu nous regardes, Sky, vraiment. Parce qu'il y a 3 minutes de délai, peut-être qu'il nous regarde, tu vois. Sky qui est là sur le stream. Ok, ouais.
Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être my bad, soi-disant aux USA. Bon, voilà. On sait pas. Bon, on est en train de dérouler. Ouais, voilà, c'est terminé. Ouais, zéro mort. Moi, j'aime zéro bien mort, ça. Ça se passe. Run, zéro mort. Et combien on fait du coup 11, on va faire 11-15, 11-20. Ça va faire 11-20, ouais. Et, c'était quoi les meilleurs DHT on est sur en dessous quand même. On est en dessous de 11, je pense. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool. 11-25. Quoi Timer, ouais, non, 11-25, les meilleurs DHT. Non. Bah, si. Et là, on est sur 11-30 seulement. Avec la mort. Bah, on a fait la run qu'on devait faire. Un mot de dead. En fait, il y a juste le dernier pool qu'on n'a pas fait au complet. Victoire Mandatory, let's go! Voilà! Tranquille, quoi. Victoire Mandatory, let's go! Ouais! Ok. Voilà! Carrément, quoi. Ah ouais. On risquait l'élimination. Ouais, je comprends. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. On l'a bien fait. Ouais, on a un peu slow le tout dernier pool. Mais globalement, le reste, c'est plutôt bien passé. Bon, Sanguin, on le disait, de toute façon, Pirafix, DMDI, voilà. Il y a eu un petit tic. Bon, ouais, c'est bon. Donc ça, c'est bien passé. C'est cool. Ouais. C'est très bien. Ouais. Très, très belle run. Et voilà, ça vous montre. Et par contre, c'est BO3. On fait une autre map qui arrive. Ouais, c'est ça. Et par contre, Bonesbud, voilà, il faut reconnaître quand même qu'on disait, ouais, vas-y, joué, les équipes, ça a été un peu scuffed. Franchement, et ouais. Tout. Hein. Franchement, c'est cool. Là, on faisait une grosse erreur, c'était. Ouais, alors bon, tranquille, mais. En fait, c'est clean, tu vois. Ça non, va mais pas ça assez va. Vite. Franchement, ça me va. En fait, ça va pas assez vite, mais ils sont hyper clean. Et en vrai, presque tant mieux qu'on soit face à eux parce que c'est cool. Tu vois, ça fait pas une victoire non plus. Oui, c'est pas genre ils ont 15 morts en face. Ouais, ça joue au jeu. Enfin, ils étaient quand même sur le dernier boss quand on a fini. Ouais, c'est pas comme si. Voilà. C'est ça, exactement. Mais oui, la map est validée, vous inquiétez pas, parce qu'il y a eu l'écran de victoire. Mandatory, c'est bon. Plus d'histoire de dryade, impromptue, ou que sais-je. Mm-hmm. Bon, du coup, ça part à Everbloom. Ouais. Et là, on a une très bonne Everbloom. Everbloom, alors j'ai hâte ça de voir ce qu'ils vont faire. On voit pop un healer dans notre comp. Ah ouais, en pour la safe. Ouais, sécurité, peut-être, ouais. Ouais. Je pense. Hein. On a le record de la map, voilà, en 10-17, nous redit Kalano. Avec un mort. Avec un mort, ouais. Attends, quoi C'est là où il y avait Non, ça doit être en. Oui, en 11. En trial ou en ladder Ouais, peut-être pas en offi. Ah, bah si, je sais pas, j'en sais rien. Kalano, c'était tout à l'heure, ouais, c'était celle de tout à l'heure. On a joué tout à l'heure. Ouais. Celle de tout à l'heure, 10-17, enfin, tu disais probablement. Ouais, celle de tout à l'heure. Bon, voilà, c'est une destruction. Regardez-moi cet escran de destruction. Non, mais de toute façon, on sait qu'on a les meilleurs temps. Le seul truc, c'est qu'il faut le faire, quoi. Ouais. Une fois qu'on est dans le BO. Mais on sait que dès qu'une map est réussie de notre part, sans erreur majeure, on sait que globalement, on a meilleur temps. C'est pas pour rien qu'on est troisième au trial. Oui. C'est pas pour rien que. Voilà, on le sait. Donc, on avait deux fois moins de sanguine par rapport à notre DHT tout à l'heure. Non, mais en même temps, deux fois moins. On a fait celle de tout à l'heure, c'était. Ça compte pas. On oublie. Oui, et d'ailleurs, là, elle est oubliée. Du coup, c'est bien. Quel DHT On a déjà joué la map. Ah non. Enfin, on vient de la jouer, il n'y a pas eu de sanguin, je comprends pas. J'ai du mal à. Mal à suivre. T'es bizarre, Cusa. À quelle heure on joue à Tal'Dazar? On l'a déjà joué? Moi, j'ai jamais vu à Tal'Dazar en live. Bah, en live. En tout cas, pas de mandatory. Je l'ai vu hier hors live. Ouais. J'ai pas vu en live. Non. Je l'ai pas vu encore. Pas pour l'instant. Effectivement. 1-0 donc contre Bone Buds Resurrected. Et du coup, eh bien, c'est pas, on est en route pour le 2-0. Hein. Ouais. C'est parti. Hein. Ouais, bon, là, c'est parti. Dit, hein. Le premier 2-0 de la soirée, ce sera nous. Oui. Voilà, ce sera Mandatory. Et c'est dans très peu de temps, là, dans 3 minutes, même pas. Regardez, on refait un petit peu sur les maps. Mandatory a mis la première map, Dark Heart Ticket. Throne of the Tides a été banni par les deux équipes parce qu'ils bannissent en blind. Et du coup, on peut se retrouver à bannir la même map. Ça, c'est cool. Hein, ouais. Et ensuite, Everbloom, Murrows on Rise à Tal'Dazar. Mais tu sais que. Tu trouves ça cool, toi, de bannir en blind? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que. Ils ont essayé plein de trucs au cours des années. Même il y avait des choix de map possibles, etc., etc. Et on s'était même retrouvé une année où en fait c'était, il y avait un pattern pour être obligé de gagner presque, parce que en fait il y avait blind pick. Ouais, c'est ça, en fait vu que tu pouvais pick et que les blind pick étaient donnés, en fait tu te surentraînais sur le blind pick et sur une map. Ah ouais. Et si tu gagnais le blind pick, t'avais gagné le BO obligatoirement, parce qu'en fait si t'avais 800 heures sur une map et tu disais on prend celle-là, et les autres, s'ils n'avaient pas 800 heures sur cette map,
ils étaient morts. Ouais, donc c'était vois. Presque auto-win le BO, tu vois, si tu gagnais le blind pick. Ouais, je vois. Et parce qu'en fait, tu traînais deux maps, le blind et une seule map, tu l'as surentraîné, personne pouvait te prendre et ça allait tout droit. C'est complètement con. C'était très c'est con. C'est ça a duré qu'une complètement année. Con. Ça a duré qu'une année. Ça a duré qu'une année bizarre. Chelou de mais, fou. Mais c'était vraiment marrant, tu vois. Et en fait, c'était. Enfin, c'est marrant. Si, en vrai, c'était hurler de rire. Oui, parce que du coup, t'as une map qui en est fait, masterisée non, oui, à l'infini. En fait, il piquait toujours quand quelqu'un. Alors, arrêtez de taper sur cette table. Pardon. Sinon, Echo, c'est moi qui vais taper sur cette table. Par contre, Echo gagnait par exemple un blind pick. Il prenait toujours quand il choisit. C'est toujours la même deuxième map. Et en fait, c'était un no-match. Jusqu'en finale, ouais. Ouais. Et t'as des équipes qui s'entraînaient pas du tout sur certaines maps. Mais c'était, en fait, ça n'avait aucun intérêt. C'était n'importe quoi. En fait, ça n'avait aucun intérêt. Fallait juste savoir ce que t'allais blind dans la semaine. Tu t'entraînais sur les blinds et sur une map en plus. Et après, tu gambelais de. Ah, bah normal en même temps. Ouais. Et là, du coup, ça marche comment? C'est les deux vétos. Là, c'est Blizzard qui. C'est un blind et c'est Blizzard qui impose le map pool. Ok. Parce que justement, tu choisis pas et t'as le droit d'en banner. Donc tu t'en piques aucune en fait. C'est ça. C'est juste un blind ban, c'est tout. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Okay. Tout le reste, mais Blizzard là, c'est Blizzard qui choisit. Tu vois. En vrai, c'est parfait. Du coup, tu les bosses toutes sauf une. C'est l'inverse en fait. C'est un peu ça. C'est même l'inverse. Mais les équipes, elles peuvent pas piquer une map du tout? Non. Non, jamais. Les maps sont imposées. En fait, heureusement. En fait, ce que j'explique souvent, le problème d'en haut. C'est que pour master une map, en fait, c'est presque impossible. Donc, quand tu dois choisir, c'est terrible. En fait, c'est mieux que les équipes puissent faire des erreurs. Exactement. Même pour la compétition et tout. Et puis même, en fait, si tu te mets à choisir une map, en fait, ça, tout de suite, ça, tu t'orientes, en fait. Du coup, tu travailles plus qu'une map. Non, mais du coup, tout se jouerait sur un BO1. En fait, t'aurais la map que le gars a choisi forcément gagner, l'autre map forcément gagner. Parce qu'en fait, et du coup, ça se décide sur la troisième. Il y a 8 maps et donc on parle nul, pas de un peu connaître la map. On parle de tellement de diversité dans une map que, en fait, tu as 100 heures de différence de tryhard sur une map. Oui, durer la nuit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, du coup, on a notre mode en Aug ou Healer? Moi, j'aimerais bien Aug. Pour refaire la même map? Ouais. Hawk dit évoqueur augmentation. Oui, pardon. Voilà, je précise pour les gens quand même. Le dragon. On va dire le parce dragon. Hawk, c'est une arme. C'est une arme dans CS, l'Hawk. Ouais, bah, et pas dragon. Non, mais là, on le dragon. Ah, et puis tu sais qu'en plus, en face. Ce sera le dragon. Oh, 4 DPS ouais, en face. Ouais. C'est okay. Étonnant. Avec un ret, bien sûr. En même temps, là, on a gagné exactement contre cette comp face. À Batsmandi, hein, donc voilà. Le logo Bonebud, c'est aussi Blizzard. Et je crains que oui. Oui. En même temps, là, ils tentent le tout pour le tout, Bonebuds. Hein. Ils sont. Ouais, après, tu sors pas 4 DPS. Enfin, ils l'ont forcément non, mais train. Bien sûr, bien sûr. Donc, par contre, Blizzard Assassin qui coupe les logos en haut, là, notre marteau, là. Vas-y, bref. Et même en bas, oh, ça. Non, mais c'est cool. Moi, je suis assez content. Après, il n'y a pas de raison, hein. En vrai. Non, mais là, on va les arracher. Hein. Oui. Là, ça va être du jamais vu. C'est la map où on garde la BL pour le dernier boss, c'est ça? Ouais. Exactement. Ouais. Celle qu'on fait en moins de 2 BL. Je vais pas dire moins de 10 minutes, parce que c'est pas vrai. Ouais. Mais en moins de 2 BL. En moins de 10 minutes 30. Et la map où on décide d'avoir une seule BL. Non, mais là, ça va être une destruction. Hein. Et ils ont claqué BL, on est d'accord, hein? Oui, ouais. Ouais. Cool. Mais comme ceux d'avant qu'on a affrontés. Ouais, ouais. Mais comme la plupart des équipes, en vrai. Mais ça fait partie de ces. C'est assez rigolo, parce que ça fait partie de ces trucs où finalement, il y a presque pas de bonne réponse, tu vois. En fait, c'est. Ouais, les deux sont débattables. Cool, tu vois. Ouais, c'est ça. Et les deux peuvent te faire rater ou réussir. Exactement. C'est vrai que. Ouais. Alors, on part pas dans le même ordre, encore une fois. Tout pareil. Hein. Donc ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, eux font la run qu'on a battue tout à l'heure. Exactement. Ils font exactement la run qu'on a battue tout à l'heure. Il y a beaucoup d'équipes qui font cette run. Hein, ouais, ouais. Rôle. Et oui, je crois que ça doit être une histoire de les gates sont plus simples à placer. Tous les gens qui sont en mode 4 millions 6 DPS, ça m'estime. Ouais, ouais. Sans BL, du coup. Sans BL. Sans BL, tout à fait. C'est ça. Il y a une PI, ça va. C'est vrai. Ça va. C'est bon. Mais, mais du coup, c'est vrai qu'il est quand même boosté par. Non, mais c'est Maud. Ça. En fait, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait 4 millions 6 parce que. Parce qu'il y a Maud et la PI. C'est ça. Non seulement le pack est colossal, donc ça, c'est cool. Et en plus, l'augmente. Et en plus, elle augmente. Pack les colossal, vocals. Full buffé et le support, bah, ça fait des dingueries, quoi. Et c'est pour ça, c'est très value d'avoir l'aug. Et surtout, quand. Encore une fois, on a vu des équipes première semaine. Avoir des Aug, donc des dragons support à la place des palerettes et tout, mais de s'en servir comme un palerette. Mais c'est cool d'en voir quand même. Je suis content, ouais. Tu vois. En fait, parce que on disait est-ce que la classe du coup est dead parce qu'en fait trop de nerfs, trop de machin. En fait, non, on les voit. Et c'est cool, en fait, on voit quand même beaucoup de classes, je trouve. Oui. Ce soir, on a vu beaucoup de classes. Parce qu'on a quand même eu des tanks. Non, mais on a eu des MDI monocompo 3 jours, tu vois. Alors que là, ouais. C'est quand même cool. En fait, et c'est un. Et les tanks, ouais, les tanks, c'est toujours les mêmes. Ouais, mais ça, mais tu sais que ça, c'est une. Tu sais qu'il y a une raison. Il y a une raison technique, c'est qu'en fait, quand. Alors, déjà, le DH est le plus gros buffer, donc le chasseur de démons, c'est le plus gros buffer de groupe. Et en fait, au MD, c'est super fort parce que même quand le chasseur de démons est pas fort,
En fait, c'est pas grave parce qu'au ND, tu fais des pools qui font que ça va, tu vois. Donc, c'est la classe la plus représentée DH. Et accessoirement, là, cette saison, c'est Turbo Broken. Et en fait, le truc, c'est qu'à toutes les saisons, t'as au moins un tank invincible. Et en fait, c'est souvent celui-là qui est joué. Et là, cette saison, c'est celui-là. Donc, pour, pour les setups de pools et tout, le DH, c'est assez impressionnant. Ouais, t'as, même, t'as, c'est des, t'as des sigils, enfin, c'est invincible. Et puis, ça a le buff 5% dégâts magiques. Et là, on est sur c'est le propos caster. Ouais, 5% dégâts magiques sur tout ton groupe, bah, c'est insane, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est ça. Non, mais c'est... En fait, DH, de manière globale, c'est vrai que c'est très, très, très... Enfin, c'est très présent au MDI. Et c'est vrai que là, en plus, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. La classe, là, c'est... c'est... On est où, quoi? Bon, et pour ceux qui ont débarqué là, parce que je vois qu'on est un peu plus que, qu'avant, là on est sur une instance qui est une espèce de cercle, et donc en fait on peut un peu la faire dans l'ordre qu'on veut, avec certaines techniques évidemment, c'est pas Blizzard qui offre la possibilité d'eux, mais c'est des techniques autorisées. Et en fait, il se passe pas, on fait pas le même chemin, les deux équipes font pas le même chemin, ça va se regrouper environ vers le boss 3-4, avec les pourcentages aussi que vous allez voir, et on comprendra un peu plus l'avance ou le retard qu'ont les équipes vers boss 3-4. Et on a tué l'arbre cette fois-ci en une seule phase. Donc ouais. On a évité. On a eu plus de DPS. Exactement. Donc ça voudrait dire. On sur refait papier, la monture. Ça voudrait dire sur le papier que. Under 10. Eh ouais, c'est ça. Ça veut dire que. Alors under 10, je sais pas, mais. On avait gagné 5-10 secondes. Mais probablement 10 minutes 1, 10 minutes 3. 5% d'un boss que t'es censé tuer avec 100% de dégâts supplémentaires, c'est-à-dire que les 5% en fait c'est 10. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on est en tyrannique. Et je pense, au vu de ce qui se passe en termes de dégâts, je pense que c'est vraiment pas simple. De le one phase. Alors, on va voir comment ça se passe pour Bonne Je sais pas, si t'as une réponse, mais quelqu'un dit est-ce que à force égale l'autre chemin est tout aussi bon? Mais je pense pas qu'on ait là vraiment la réponse. Ça fait partie des trucs tellement durs dans vos... En fait, c'est très dur d'estimer parce que force égale, c'est quasiment impossible à reproduire. En Et fait. Oui, en fait, c'est ça. Et en fait, tu peux même pas faire force égale puisque la force que t'as dépend du nombre de mobs que tu prends. Mais en fait, le nombre de mobs que tu prends dépend du type de mob qui est pris. Donc en fait, il y a beaucoup de si pour reproduire cette, ce truc-là. Donc c'est difficile de répondre. En fait, là, on pourra peut-être te répondre... les shadows, là, qui... on pourra peut-être te répondre après pendant les globals, quand on aura vu beaucoup d'équipes faire et qu'on aura beaucoup de data. La seule chose que je peux répondre, c'est que dans tous les cas, ça joue à pas grand-chose. C'est à peu près certain. Sinon, il n'y aurait pas autant d'équipes qui font des choses différentes. Ça joue à pas grand chose. Le pool est quasiment fini. Ouais. C'était un pool difficile. Eh, c'est en train de. Ça se passe, hein. Surtout, c'est une qualif là. Mandatory est en train de se qualifier pour la compétition à 200 000 $ de cash prize, les championnats du monde de speedrun de wall et MDI. Ouais. Donc, il nous reste incroyable. Deux boss. Et oui, comme dit Kouev, s'il avait la réponse, tout le monde ferait le même chemin. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça. Exactement. Et quand vous voyez que même dans le plus haut niveau du monde, pour genre le top 0,1% des joueurs du monde, ils font pas tous la même route, c'est bien la preuve qu'il y a des explorations à faire. Ouais. Et puis, même quand tu vois qu'il y a des équipes qui gagnent avec un heal alors qu'en face d'autres en ont pas, et qu'on parle des meilleures équipes du monde, alors t'imagines bien qu'une route, c'est enfin quand carrément des joueurs, des rôles différents, c'est la même chose. Imagine une route, enfin genre c'est Osef. Ouais, clairement. Juste joue bien en fait. Puis en plus, ça dépend des affixes, du niveau de la clé. C'est vrai qu'au Globals, il y aura quand même un peu plus de similitudes entre les équipes. On aura des réponses. On aura plus de connaissances. On aura aussi des nouveautés. On est d'accord que ça joue exactement sur la même méta, même patch et tout. Les Globals, c'est rien qui change. Alors, on sait pas. Mais normalement, oui. En plus, c'est très peu d'écart en vrai. C'est 2 semaines d'écart. Donc, très peu, ouais. Enfin, 3 semaines. Ouais. Non, et puis en vrai, il n'y a pas trop de raisons. Il n'y a pas de dinguerie. Il n'y a pas de. Ça va, tu vois. Kunsil de notre côté qui est pool. Boss difficile, sans soigneur, surtout qu'on y rajoute des packs, etc. C'est pas donné. Ouais, attention quand même ici. Hein. C'est ça. C'est vraiment bien kick. Là, on aura la réponse de la run. Le fait d'avoir des interruptions, c'est très important sur ce boss. Il y a beaucoup de bolts qui partent. Allez, les gars. Ouais, et puis en plus, il n'y a pas d'interruption en vrai, ou très peu, parce qu'on est sur une compo où il y a assez. Enfin, les kicks sont. Allez, Crims Courage. Bon, ça va, il n'a même pas proc à côté. Mestin sous PI. En train de déglinguer tout le monde. Bon, je te l'ai dit, je dis ça, mais c'est Stove qui est devant. Ouais, mais là. Il est en train de les détruire. Ouais, là, SP sur le boss, c'est quelque chose. Hein. Ouais, bah oui, à cause du multi-target. Ouais. En fait, le démo détruit, là, ce truc où il est très fort sur 1, 2, et ou 4000. Et 4000. Ouais. Et en fait, mais 3, deux, c'est compliqué. Et là, c'est le Shadow Priest qui part. Il y a plein de classes comme ça. Ouais, où t'es fort sur 1, 2 ou 1000. Mais en fait, 3, 4, 5, c'est un peu pas ouf. Et SP, c'est un peu l'inverse. C'est très fort sur 3, 4, 5. Ouais. Et vous avez raison de dire que BBR fait une belle run pour l'instant, effectivement il n'y a pas d'erreur. Comme d'hab. Et bon, par contre, elle est un peu plus lente et je pense
pas qu'ils vont one phase. Ah, cela dit, bah si, peut-être, hein, en vrai. Ils pourraient, ils sont à 4 DPS quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, là, je vois que ça poule sans combu, ça poule. Oui, mais c'est normal, tu sais, il faut attendre qu'il passe. PI dans une minute, je sais pas, genre, je me dis, ouais, ouais. Faut attendre la P1, ouais. Ça va aller. La... Parce qu'en fait, la transi est très longue. De toute façon, je m'en fous de l'écran de droite. Voilà, je vous le dis. J'en ai rien à foutre, je suis désolé. Hein. Non, mais voilà. Mais je regarde vite fait, mais. Ça pourrait arriver. Mais, ça va être serré du slibar. Non, ça va pas l'être, ça va pas l'être du tout. Non, non. Par contre, non. Aucune chance. On a un boss de diff quand même. Aucune chance. Calmez-vous. C'est-à-dire, il joue bien, mais calmez-vous, on a un boss de diff. Donc, un boss de diff quasiment, puisque nous, regardez, on va finir Dulu. Et eux, ils sont en train de pull Witherbark. Donc, tranquille, regardez, 19%. C'est en train de tomber côté Mandatory. Vous regardez votre écran de gauche actuellement, rien d'autre. Ouais. Rien d'autre, mesdames et messieurs. Et puis le dernier boss, on l'éteint. Ouais, on l'éteint, c'est une destruction. C'est une destruction. Donc là, il transit là chez Bonebuds. Mais par contre, c'est important de noter qu'effectivement, Bonebuds, bah franchement, c'est. Ouais, ils sont au rendez-vous. Et pas beaucoup, morts, beaucoup plus que Slot, si on me demande. Beaucoup plus que Slot. Qui a raté, on rappelle, bah, toutes ses maps, en fait. Donc, bien joué. Mais qui a quand même gagné une map, on sait pas. Ouais, on sait pas trop, c'était un cadeau. En vrai, je suis un chien, c'est vraiment des légendes, mais vas-y. Moi, j'ai pas vu qu'ils ont gagné, j'ai rien vu, moi. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas vu. Je sais pas comment vous parlez, là. J'ai pas la preuve. Je les ai jamais vu tuer le dernier boss, en tout cas. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais vu tuer un dernier boss d'une instance. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Allez, là, c'est maintenant. La destruction, c'est maintenant. Et là, c'est la démonstration. Là, c'est la leçon de World of Warcraft. Là, c'est le rappel que t'es une équipe de tiers 2. C'est maintenant. Là, c'est tout de suite. Ça va être un pull. Et là, ils se font détruire, t'as mon régal. Ils pullent le bot, tout explose, les 5 meurent instant. Allez, c'est parti, la furie sanguinaire. Attention le frontal quand même. On est buffé là en termes de dégâts. Et là, c'est parti, BL pot, all CD, les pieds dans le béton. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a regardez rien. Regardez le boss, regardez le boss. Et là, ça fond et je tue. Là, c'est debout et les pieds sur le clavier. Hein. Là, on fait en dessous de 10 largement, non? Là, c'est. Normalement, c'est en dessous de 10. Pas largement, non, parce qu'il y a le pop du tréant qui va diminuer nos dégâts. Qui va nous slow, mais, non, ouais. Mais normalement, ce sera pas loin de 10 quand même. Ça sera quand même pas mais loin tu vois, de 10. Il faut l'éclater. Je tue, je tue. Il faut vite tuer l'ancien qui vient pop, la TDM, là. La tête de mort. TDM. Et là, le boss va fondre. Et là, c'est parti. Et là, je retue. Je tue. Voilà, les doigts de pied et tout. Il y a tout qui appuie. On avait fait 10-40. Allez. On avait fait 10-17. Ah ouais? 10-17, on avait fait. Ah, donc c'est... Ouais. Okay, donc tu vois le one face de l'arbre, pas si game changer en vrai. Enfin je veux dire le one face à 4%, voilà, à 4%. Bien sûr, mais quand même tu vois, ça fait partie de ces trucs. Mesdames et messieurs, Mandatory va se qualifier pour les playoffs et jouera demain. D'ailleurs probablement match d'ouverture je pense, ou deuxième. Et c'est un time. 10 minutes 18 une seconde de plus, mais c'est la victoire de Mandatory qui jouera demain le premier 2-0 de la soirée. Il est pour nous à minuit pile et c'est un ciao. Je mets le studio en mode nuit. Hop là. C'est la nuit, mesdames et messieurs. Non, je vais remettre en rouge, bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, on les a détruits. Hein. C'était, C'était un BO. C'était un BO contre nous-mêmes. C'était un BO pour nous satisfaire, pour aller dormir correctement. Tout à et fait. Et être confiant pour la suite. Tout demain, à fait. Ça va être Eclipse. Ça va être dur. Ouais, hein. Demain ça rigole moins. Ça va être Eclipse, peut-être Bats Bandit, Again. Donc franchement. On est obligé de les re-rencontrer de toute façon. Non, s'ils gagnent contre Perplexe. Oui, enfin oui, en grande finale. C'est Bold Bandit ou Perplexe. C'est ça. S'il y a un accident de Perplexe, ce qui est possible en fait. C'est ça. Alors, dans tous les cas, on les. C'est ce qu'il dit. Ouais, on les rencontrera si on va en grande finale. Quoi. Je précise, il n'y aura pas d'interview de Maestin ce soir. Non. Là, on les laisse dans leur week-end à fond et tout. Par contre, on l'interviewera demain. Quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, là en plus ils sont en playoff, c'était l'objectif. Donc quoi qu'il arrive, ce sera détente demain. Demain on joue le seeding et le cash prize, parce que les playoffs c'est fait. Donc quoi qu'il arrive, vous retrouverez Mandatory le 8, 9, 10 mars pour la grande compétition mondiale à 200 000 € de cash prize. C'est colossal, hein, vraiment, c'est un cash prize énorme pour les joueurs et c'est leur main compétition de l'année. Donc ça va être très très cool de voir ça. Et on aura donc en interview à distance Maestin demain. En direct après tout ça. À savoir que demain ça reprendra à 19h et donc on verra tous les matchs. Je pense. Est-ce qu'ils vont faire la semi avant? Oui, je pense. Oui, c'est la semi-upper d'abord. Oui, semi-upper d'abord. Je vous remonte quand même la gueule du bracket, la gueule de l'arbre du tournoi. Donc nous, on avait perdu ici, on était parti en loser bracket et c'est Perplex des Bold Bandits qui joueront en premier demain. Match, hein. Mais on le streamera à 19h évidemment. Va être un match, hein. Et nous, ici, Mandatory contre Bonebuds Resurrected, eh bien on vient de passer en lower semi. Et là, de Eclipse et Common Now, ce sera très probablement Eclipse qu'on affrontera ici. Donc ce sera BO1, enfin.
premier BO, pardon, qu'on verra, Perplex Ball Bandit. Deuxième BO, probablement Mandatory contre Eclipse. C'est ça. Et ensuite, on aura Mandatory, si on gagne, contre eh bien, le perdant de ces deux matchs. Ouais. Peut-être la revanche contre Ball Bandit. C'est que des beaux matchs, hein. Ouais. Soyez là. Hein. Que des bangers. Ouais. Que des bangers. Ouais. On va jouer à tous les matchs du coup. Si on, oui. Si on potentiellement, ouais. Ça c'est cool. Ouais, on joue tous les matchs sauf un. Oh, le content, mais c'est bien. Le contenu, le contenu est parfait. À perdre aujourd'hui pour le contenu, c'était masterclass. Ah, c'était vraiment une folie. Donc demain, effectivement, ce sera rendez-vous à 19h, mesdames et messieurs. Et effectivement, à part le premier match, si on gagne tout, ben on jouera tout le reste. C'est ouais, ça. Ça va être génial. Vous nous verrez jouer avec Mandatory sur tout le ça reste va être des matchs. Chose, hein. Je rappelle, demain, 19h. 19h sera 3 matchs à la suite. Par contre, attention pour les joueurs, ça va être effectivement violent. Ouais. C'est BO3, BO3, BO5. Si jamais après, ils gagnent. Après, on est, ils sont en plein dans leurs horaires. Ouais, puis ils ont l'habitude. Ah, ça va. C'est des joueurs de WoW. C'est des joueurs de WoW. Mais même, ils sont vraiment en plein dans leurs horaires. C'est des joueurs de WoW. En fait, ils se traînent sur le. Ils se calent sur le rythme à Sky. Ouais, ouais. Donc à 17h, ils commencent à 17h. Là, ils se lèvent là, normalement. Ils sont en prime time là. Ouais, ils sont en prime time là. Donc. Ils se calent sur le rythme de Sky ou ils se calent sur les tournois? Non, sur Rick de Sky. Ouais, vraiment. Ouais. Skylark. US, frère. Tu peux pas. Enfin, c'est chaud, tu vois. T'es... Parce qu'il est côte ouest. Mais en fait, je pourrais. C'est le matin quand. C'est ça. Je crois qu'il est côte ouest. Ça logique aussi de t'entraîner sur les heures où tu as tes matchs. Mais du coup, c'est un peu lié. Parce que, en gros, il commence training à 18h, tu vois. Mais par contre, il termine à 6h. Il termine très tard. Ok, d'accord. Ah ouais, normal. Ah ouais, c'est le matin là. Normal, normal. Ok, ils ont perdu du chocolat chaud là. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben, mesdames et messieurs, voilà qui est fait. C'est qualifié. Let's go. Oh, la qualification, j'appuie. Donc Mandatory qui est qualifié, qui jouera demain à 19h et qui est qualifié pour les playoffs. On en reparle demain évidemment. Merci d'avoir été si nombreux, si nombreuses. Ouais, c'était grave cool. Plus de 14 000 au dernier match alors qu'on est que dans les phases de qualification. Ouais. Donc demain rendez-vous à 19h. Demain ça va être. Tu passes demain ou tu seras pas là? Ouais, tu passes demain. Bah t'es le bienvenu. Toute la soirée, du coup. Vu qu'on va tout gagner. T'es le bienvenu. Ouais, ouais. Il faudra rester longtemps. Ouais, fort. Ah merde, putain. Ah, je suis pas dispo en fait. Regardez mon planning là. Moi j'ai des matchs à regarder sur Valorant aussi. Oh putain, on verra. Je comprends. Ah oui, c'est vrai que demain, ouais, il y a des trucs. Hein, y a des trucs. Mais c'est l'après-midi, Valo. Il y a des trucs non, de l'après-midi aussi. Je crois qu'il y a 3 matchs. Ouais, il y a des trucs. Vas-y, on en parle demain. On verra. Bon, mesdames et messieurs, merci à tous. Oui. On se voit demain à 19h. Merci Lapi, merci Cusa. Ouais, merci à vous d'avoir été tous si nombreux. Et voilà, à demain, 19h. Soyez là, ça va être la grosse dingue. Ciao, bye bye. À demain. Ciao.